Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Madame la Présidente, bonjour mes chers collègues élus. Vous allez avoir en fond d'écran, en fond sur l'écran, eh bien, des images qui montrent le passage au centre-ville des Cachalots. Si elle s'est jointe à un accident, Madame la Présidente, ben note de où, c'est les premières personnes que le juge va appeler. Et ce serait dommage que depuis le temps, on nous fasse la remarque qu'elle a quand même pris plus que du temps pour pouvoir résorber la chose. Vous verrez en certains passages des gens qui sont au centre-ville, hein, sur une voie que mon prédécesseur a rétréci, et où on fait passer les passants, un peu, il y aimerait encore les cyclistes, les voitures, et donc les cachalots, regardez là un peu, c'est au niveau du pont, et on a aussi un projet. Donc je voulais vous montrer ça, pour que vous voyez vraiment ce que ça signifie. Quand on arrive en 2001, 98, on vous a parlé, on nous a dit qu'il y a une pénétrante urbaine. Alors, nous on pensait que le projet allait se faire en littoral, la réalité c'était ici. Comment il fallait, on a adopté en se disant que, ben, on est dans la continuité de l'action publique, on va le faire. Et puis, en 2009, 2005, c'est la DUP, M. Margy, et en 2009, M. Paul Véagès vient poser la première pierre ici pour entamer la construction. 2010, il y a changement de majorité à la région, et aujourd'hui, nous sommes donc en 2022. On est arrivé, nouvelle majorité aussi, l'année dernière. Il y a eu le tronçon central qui a été fait, et ces deux parties-là, donc trois tranches, et il reste aujourd'hui 1,4 km ou 1,7 km, les services diront dans un instant, qui se trouve ici, et où il y a une planche donc au niveau des services de la région pour présenter. Ce que je veux dire, c'est que cette contournante, elle nous a permis en tout cas d'aménager, et non seulement de prévoir le flux, sur cette contournante, il y a 9 ronds-points. 7 barreaux de liaison, parce qu'il y a ici, je crois, quelque chose comme 25 000 véhicules entrants, nous disait-on avant, et le but était vraiment de voir comment on pouvait faire en sorte que les voitures et les gens pouvaient entrer chez eux, ou éviter le centre-ville quand il le fallait, ou y aller quand ces autres y voulaient, et ça permet par exemple d'ici d'aller sur Carros, là d'aller au Liane, là de monter à Badjantie ou à Gentil. C'est de l'autre côté, là pareil, plus sur Gentil, on est ici. Donc on a bien compris qu'il y a donc une orientation qui était sur la démarche routière, mais également sur la démarche d'habitat et de fluidification. Il y a maintenant cette partie là ça veut dire quoi si cette partie là se réalise demain? Nous on peut aménager le quartier de Bois-Noir, on a un projet de campus universitaire ici, mais il faudra que ça se fasse, c'est le préalable. Si on est au même titre que Saint-André ou que le port, et si on veut faire ce projet de campus universitaire, notre démarche, c'est l'université rurale. L'agrotourisme, la ruralité, c'est ça notre dimension. Et c'est chez nous. Donc on n'a pas besoin de faire quoi le monde ailleurs. Ce serait vraiment dans une dimension humaine, reliée bien évidemment, j'en perds mes mots, avec l'université dans le sud. D'accord ? Et nous avons la chance d'avoir chez nous, donc ce que je disais tout à l'heure au niveau du lycée agricole ici et d'établissement. Alors, en termes d'aménagement, je voulais quand même vous dire qu'à partir du moment où on aurait eu cette réalisation et que les cachalots pourraient passer, on peut se permettre à l'intérieur de notre ville, eh bien demain, d'avoir des rues piétonnes ou des modes doux de déplacement. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, ce travail-là, on le fait et on est en train de réaliser. Donc, on a commencé par un projet de renouvellement urbain et aujourd'hui, on émarge à l'action Côte-Ville. On inscrit donc notre rivière à l'intérieur du projet et on est en train de faire l'endiguement de la rivière des Remparts. Le projet de contournement de Saint-Joseph, c'est un projet à 107 millions d'euros qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2005 et d'une autorisation au titre du Code de l'environnement en 2009. Les travaux sont commencés. À ce jour, il nous reste sur un projet d'environ 5,5 km, un peu moins de 2 km à réaliser. Nous avons les dossiers de consultation d'entreprise sont déjà réalisés, mais nous devons prochainement procéder à une nouvelle dérogation espèces protégées, puisque nous avons des geckos de Manapani qui ont été identifiés. Donc nous sommes dans l'obligation de relancer un inventaire écologique et une demande de dérogation espèces protégées. Dès que nous aurons ces dérogations, nous commencerons les travaux et nous espérons un achèvement total du projet courant 2027, début de 2026,
voilà, début 2026, au plus tard début 2027. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un chantier, mais j'espère bien que l'on inaugurera la mise en service de la contournante de Saint-Joseph dans pas trop longtemps, dans 4 ans, plus tard, dans 4 ans. Elle a été érigée, tout à l'heure ça a été rappelé, comme priorité régionale par Paul Vergès, la Gourgue, et ça a été rappelé tout à l'heure dans les années 2000, la déclaration d'utilité publique, Mme Le Breton l'a rappelé tout à l'heure, obtenue en 2005, et pourtant, 20 ans après, cette voie structurante n'est toujours pas achevée. Et donc c'est notre souci, on ne peut pas dire donc que ce chantier a avancé à une vitesse grand V, bien au contraire. Ce sont, et on le sait bien aussi, ce sont les administrés, ce sont les acteurs économiques qui paient les conséquences des retards accumulés. On n'a qu'à regarder les images qui défilent là et on voit combien c'est difficile, surtout pendant la période de la coupe de la canne et même lorsque c'est la rentrée scolaire, lorsqu'il y a les bus qui prennent cette route. La contournante de Saint-Joseph, c'est ce qu'on appelle une voie structurante qui va permettre d'alléger le trafic au centre-ville, cela vous a été très bien expliqué tout à l'heure. Est-ce que, un seul instant, vous pouvez imaginer la circulation à Saint-Denis sans contournante, la circulation à Saint-Pierre sans le boulevard Bang, sans cette contournante de Toit de Saint-Pierre? Vous imaginez un peu comment on aurait pu être cette affaire-là? Et donc pourquoi on a tant négligé cette région sud, cette belle région du sud sauvage. C'est-à-dire donc l'importance de la contournante de Saint-Joseph. Moi, je ne sous-estime pas non plus les contraintes qui se sont présentées, des contraintes techniques ou réglementaires et les efforts accomplis par nos équipes, les entreprises qui sont sur le terrain. Hein. Monsieur Morobet est là, tout ça, ce sont des choses pas faciles. Quand on a un ordre, on a un contre-ordre et donc ce sont des choses ici. Maintenant, il n'y aura que des ordres. Et donc, il n'y aura pas de contre-ordre. Quant à la mise en œuvre de cela. Moi, je suis convaincu que si ce dossier avait été traité comme il le fallait par la mandature précédente, nous n'en serions pas là. Dans cet objectif, j'ai pris deux décisions. En premier lieu, j'ai souhaité que soit sanctuarisé dans la programmation pluriannuelle d'investissement, le PPI, les crédits nécessaires pour terminer le chantier, la contournante de Saint-Joseph. Mme Le Breton, vous avez rappelé tout à l'heure, 107 millions, 81 millions, 300 000 euros ont déjà été engagés et nous garantissons la sortie de cette contournante dans 4 ans. Monsieur le maire de Saint-Joseph, monsieur le vice-président du conseil régional, les planètes sont alignées, cher ami. Tu peux donc compter sur notre détermination, la détermination collective pour que cet ouvrage soit livré.